Bonjour les enfants! Bonjour les copains et copines! J'espère que vous allez bien! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, on vous fait des gros bisous! On est content d'être avec vous de nouveau pour le challenge! 3 marqueurs spécial Paint Edition! Aujourd'hui, les amis, on fait un marqueur, un challenge 3 marqueurs spécial! Ah! Oui? Moi, j'explique! Tu veux expliquer? Oui! Alors, les copains et copines, Alicia va vous expliquer! C'est pas comme les autres challenges que vous avez déjà vus sur YouTube, c'est un petit peu différent. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être rigolo, que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si ça vous plaît, ça nous fera super plaisir. Oui. Alors maintenant Alicia, tu nous expliques comment que ça marche. Trois couleurs, par exemple le blanc, le rose et le bleu. Alors c'est la peinture, c'est pas les marqueurs, c'est la peinture. Oui. Et après, on prend des feuilles, là-haut il y a écrit par exemple un sapin. Et on écrit et on dessine le sapin. Alors pour prendre ça, on prend le masque. Mais attends. Et après, on dessine le sapin avec les trois couleurs là. Mais nous, on n'a pas de vert. Alors comme Alicia vous a expliqué, il y a 5 peintures. Moi je vais prendre les 3. Ah bah si tu vas les choisir au hasard. 5 peintures, on doit choisir 3 peintures au hasard. Les petits papiers qu'elle vous parlait, c'était ça. Alors, donc sur chaque papier... On prend comme ça. Oui, non, ouais, voilà, comme ça. Et on les remue pour... Parce que ça, c'est mes couleurs préférées. mais avec le blanc, tu pourras rien faire s'il ne sert à rien. Je prends le noir. Bah tu verras bien, tu tireras au sort. Hein. Dans la petite casserole, il y a des papiers, comme Alicia vous avait dit, et sur chaque papier... Il y en a 14. Ouais, il y a quelque chose de marqué dessus, un sapin, une voiture... Une bouteille. Voilà, et ils vont devoir dessiner les yeux fermés comme avec ça. Le pinceau et la peinture sur cette feuille de papier, ce qu'ils ont trouvé sur le bout de papier. Mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont partis? Je les vois plus. Est-ce qu'ils sont derrière? Ah, ils sont là en dessous! Bon alors Alicia, tu vas commencer. Oui. On va te mettre le bandeau et tu vas choisir les couleurs. Et après tu vas... S'il te plaît pas, jaune et rouge. Ah bah ça sera la surprise. Je pourrais pas dessiner. Ah bah tu te débrouilles, hein, c'est comme ça. Ah, je sais. Et après tu tires un bout de papier, hein, d'accord? Voilà Alicia, tu peux choisir 3 couleurs, là t'en as, là, elles sont là, tu les touches, 1, 2 et 3, tu peux relever, alors t'as le noir, le jaune et le blanc, alors tu devras faire ton dessin avec les 3 couleurs, ça t'es pas obligé, ça pour tirer le papier, tu peux le tirer comme ça. Hein. Mais moi je voulais ça, ça et ça. Oh bah c'est pas de chance hein. Mais je sais comment on peut dessiner avec le blanc. Moi aussi. Alors, maintenant tu vas tirer un bout de papier. Ça, t'as pas besoin de te cacher les yeux. Si. Tu l'ouvres. Non, non, pas besoin. Si. Non, parce qu'il faut que tu lises après. Oui, après je l'ouvre. Je prends celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce bout de papier? Ça commence avec un... Pizza. Une pizza. Oui. Bon alors on va préparer tout, je vais préparer les couleurs dans les verres là, avec un petit peu d'eau. Et après tu me diras quelle couleur tu veux et je te donnerai le verre. Mais Gian après, il dessine après moi. Après toi, à chacun son tour il fait un dessin. Bon alors Alicia, t'as pris quelle couleur en premier? Jaune. Jaune et tu dois dessiner une pizza. Alors vas-y c'est parti. T'as pas assez de couleur sur ton pinceau. Prends de la couleur. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire, Alicia, là? Le rose. Hein? Ça, c'est la truc pour que fini. Ça, c'est la pizza? Oui, je veux du blanc. Blanc? Alors, Julien, il va te donner du blanc. Donne-lui dans la main le vert. Voilà, alors maintenant, tu vas prendre du blanc. Tu veux lui donner du blanc, hein? Donc, tu vas mettre... Ça sert à quoi, le blanc? C'est pour faire le chorizo? Oui. Ah, tu fais beaucoup de chorizo, c'est ta pizza. Hein. Alors, du noir. Le jaune, c'était la tomate. Non. Le jaune, c'est la. C'est le fond de la. Dans le fond. Ah. Noir. Du noir, il veut du noir. Allez, faut lui rincer le pinceau. Encore un peu de noir et puis c'est fini, on pourra voir. Oui.
On pourra voir ton chef-d'œuvre. Non. Voilà, c'est parti pour le noir. Là, tu te mets devant, t'as ton machin là. Voilà. Alors le noir, c'est quoi? Ça, c'est les tomates. Ah, les tomates, d'accord. Ah, mais t'en mets beaucoup les tomates alors, hein? Ah, bah, elle est très appétissante cette pizza là. Hein. Bon ben ton dessin et ton chef-d'œuvre il est fini? Oui. Ok ben tu peux enlever ton. Mais regarde comment t'as salé. Oh elle a pris, elle a pris. Voilà, après la pizza Alicia, le chef-d'œuvre de pizza, le chef-d'œuvre italien. Bon, on va voir ce que Julien il va faire. Pour l'instant il va choisir ses couleurs. Alors tu choisis trois couleurs. Là. Wow, tu peux soulever ton bandeau. Oh bah il a de la chance hein. Là il y a du noir. Ouais, c'est eu rose, noir et bleu. On va préparer ça. Alors d'abord il faut tirer un papier. Bon ça t'es pas obligé de mettre le bandeau. Attends, laisse. Bon. C'est quoi? Bouteille. Une bouteille. Ouais, oh, ouais, c'est facile ça. Hein. Oh, c'est, ouais, oh, non, c'est pas si. En plus, j'ai les couleurs pour une bouteille. Bleu, du rose pour le bouchon. Le bouchon et ça c'est pour le logo. Ouais, pour l'étiquette. Ouais. Bon, je vais te préparer les couleurs et tu vas t'y mettre. Bon, là, t'es prêt, Juliane? Alicia, tu lui donnes la peinture, tu lui... Avance un peu plus. Avance un petit peu. Mets-lui la peinture dans la main. Le pinceau. Comme ça. Ça prend. Voilà, et tu peux y aller. Il faut mettre la peinture. T'as mis la peinture sur ta. Oui. Ah. Voilà, alors la bouteille bleue, elle commence. Oh, quelle belle courbe il nous fait là. Et après, ah. Il n'y a plus assez de couleur. Ouais, mets un petit peu de bleu si tu veux, ou alors ta bouteille elle est finie déjà. Là. Elle n'aide pas, Alicia. Okay, tu veux une autre couleur? Prochaine! Quelle couleur? Rose. Rose? Alors tu lui rinces bien le. Rince-lui bien le pinceau et tu vas lui ramener le rose. Ah! Le... Comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. Voilà, tu lui donnes de la main. Un peu trop d'eau. Il y a un petit peu trop d'eau dans le rose, mais c'est pas grave. Ah, ça c'est là. Ah! Voilà, alors qu'est-ce qu'il va nous faire avec le rose? Le bouchon? Ou l'étiquette? Les deux. Alors, on va voir Léonard des Vinci. Non, non, pas sur le mur. Ah. Descends un petit peu. Ah, ça c'est un bouchon dégoulinant, ça. C'est un bouchon dégoulinant, ça. Applique-toi, fais-nous quelque chose de beau, hein. Il nous faut une œuvre d'art, hein. Mais fais pas une pizza toute cabossée comme Alicia, hein. Oh. Prochain. Le dernier noir. Alors tu rinces le pinceau et tu vas lui mettre là, tu vas lui donner la couleur noire maintenant, hein. Oui. Alors c'est l'étiquette ça que tu fais, le logo. Tu peux ouvrir si t'es fini. C'est quoi comme logo? Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Vittel. Ah, Vittel. Ah oui, d'accord. Ah, ça donne envie de boire, hein. Ok, attends. Ouais, bah c'est bon, hein, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu signes ton chef-d'œuvre? Oui. Hein? Ouais. Voilà, belle signature. Ah, là, c'est pas fini. Tu veux une couleur encore? Oui. T'as pas fini ton dessin? Oui. Alors, il veut quoi du bleu? Je sais pas ce qu'il va faire avec du bleu. Attends, c'est déjà dedans. Moi je trouve déjà que. Il est dedans. Tu veux rajouter une finition? Oui. Ah, t'es en train de mettre l'eau dans la bouteille là, c'est ça? Je ne sais colorier. Attends, il y a encore la couleur. Oui, ouais, c'est très beau. Ouais, t'as fini? Oui. Ah, alors tu peux le soulever ton bandeau, regarde ce que tu as fait. Bon, mais bref, pour te dire quand même, hein, tu pourras regarder la vidéo. Quand tu as commencé, tu avais fait une belle bouteille quand même. Hein, il avait fait une belle bouteille. Hein. La forme de la bouteille, elle était bien. Après, tu es venu,
T'as commencé à faire un bouchon dégoulinant. Et après, ce qui a tout cassé, c'était ton logo. Et bon, tu vas faire encore un autre, Alicia? Oui. Oh, les copains, on va faire encore un autre dessin. Bon, Alicia, tu mets ton masque? Oui. Mignonne. Tu mets ton masque, tu vas choisir de nouveau trois couleurs. Alors, une, deux et trois. Allez, tu peux regarder ce que tu as. Bon, t'as fait des belles, t'as une belle couleur là. Maintenant, tu peux choisir un bout de papier pour voir ce que tu vas dessiner. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ampoule. Une ampoule. Ah, tu sais comment dessiner une ampoule? Oui. Tu sais? Mais j'ai la bonne couleur pour l'ampoule. Ah oui, bah oui. Allez, tu peux y aller, Alicia. Alors, tu nous fais une ampoule jaune. Hein, voilà, quand tu commences à faire des grands gestes comme ça part mal. Le noir. Le noir, tu veux maintenant? Pinceau 10 ou 12. Voilà, c'est parti pour le noir. Qu'est-ce que tu fais avec le noir là? Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Alicia? C'est le truc en haut de l'ampoule. Quelle couleur j'avais encore? Bleu. Bleu, oui. S'il te plaît, le bleu. Tu veux le bleu? Ah, ben là, c'était du rapido, c'est ton dessin d'ampoule là. Bleu. Avec attends, bouge pas, il va te donner ça. Là hein? T'as un numéro 10 comme pinceau. Le pinceau de Da Vinci. Ah, vas-y, tu peux y aller. Non, mets-toi droit, là. Voilà, c'est par là. Alors, et le bleu, ça sert à quoi, Alicia? La lumière bleue. Voilà, fini. Ah, bah, c'est un dessin très très abstrait. Hein. Tu peux regarder ce que tu as fait? Bah, je vous montre l'ampoule qu'elle a fait, les copains, si vous trouvez que c'est une ampoule. Au début, ça ressemblait un petit peu à une ampoule, mais là, regardez, c'est parti ça, en sucette. C'est une bête. Bon, alors, dernier dessin pour Juliane. Tu choisis une couleur, Juliane, elles sont devant toi, là, dans les mains. Plus bas. Là. Voilà, tu prends trois couleurs. Ouais, ça c'est bien. Ça. Ah, ça c'est super comme couleur. Et ça. Ok, bah tu peux regarder, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, le blanc, bah, t'as du bleu et du jaune. Du bleu et du jaune et du blanc. Prends choisis ton ticket. Ticket pour prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Téléphone. Un téléphone? Ah, bah oui, tu fais un rectangle avec des boutons, c'est facile ça. En plus, j'ai les bonnes couleurs. Ça serait l'écran. Ça seront les applications. Ça serait l'écran et ça serait le bord. Un téléphone jaune, ça existe. Oui, bah oui. On va commencer. Voilà, c'est parti pour Juliane, tu vas commencer ton téléphone portable. Tu vas dessiner quoi? Un iPhone? Un iPhone ou un Wiko? Oh, tu sais déjà quoi? Moi aussi. Un iPhone jaune, ah, tu vas mettre t'as le jaune, tu peux dessiner une pomme avec le jaune. Ouais, ça part bien là. Ouais. Mona Lisa, il est gros ce téléphone. Ouais, mais... Ah, mais il prend toute la feuille. Ouais, mets un petit peu de peinture sur ton pinceau. L'iPhone 10, il est aussi grand. Maintenant. Mets quoi un petit peu de couleur, t'avais pratiquement plus. Attends. Alors là, tu nous dessines la coque, hein? Ouais, j'ai besoin d'une autre couleur. Alors Alicia, l'assistante. Du bleu. Du bleu? Ouais. Alors Alicia qui fait sa cuisine de peinture. Voilà, alors le bleu, tu nous expliques qu'est-ce que tu vas faire avec le bleu. Alors un joli écran bleu de iPhone. iPhone 10. La couleur, ça va encore? Non. Non, il faut en mettre. Il faut en mettre encore de la couleur. La première application, j'espère que ça ressemble à Instagram. Ah, bah, tu nous fais des bonnes applications là. Hein. La première, t'as dit, c'est quoi? C'est Instagram? Ouais.
Et la deuxième? YouTube. Bon, t'as fini, Juliane? Oui. Alors, tu peux soulever? Regarde-moi le chef-d'œuvre que tu as fait. Hein? Je suis Da Vinci 2.0. Alors, Da Vinci 2.0, regardez-moi le carré avec le fond d'écran bleu, les deux applications. Bah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hein? Non, erreur ici, il y a le bouton d'iPhone là. Où le bouton d'iPhone? Là. Ah oui, bah, oui, oui. Ici, c'est Adobe truc. C'est le bouton d'iPhone transparent. Ici c'est Adobe et là c'est un carré rempli. Bon ben cette petite vidéo 3 marqueurs challenge édition Paint spéciale est finie. On vous remercie beaucoup, vous avez bien aimé les enfants faire ce challenge? Oui. Les copains, les copines, dites nous aussi en commentaire si vous avez bien aimé ce challenge. On vous fait les gros bisous et on vous dit ciao ciao, ciao.